Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve en bonus aujourd'hui pour un haul action et des soldes. Donc, on va commencer par les soldes. Hier, chéri est rentré du travail et il m'a dit on va au Cora faire les soldes. On est d'abord passé chez Action parce qu'il me fallait un bac pour les blattes. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous remets mon vlog où j'en parle en barre d'infos. Voilà. Mais on va d'abord faire les soldes. J'ai pas trop exagéré pour moi. Mais j'ai quand même trouvé quelques pièces parce que j'ai pas du tout assez de vêtements, n'est-ce pas? Donc on va commencer avec les trucs hommes, puisqu'on a pris pour les garçons et surtout Sam, puisqu'il fallait l'habiller. Et Chérie s'est trouvé aussi quelques petites choses. Donc tout était à. Non, pas ça, c'était pas 50%, mais 3 euros pièce pour un short. Voilà, c'est un Bermuda rouge. Georges est super content. Bon, on doit lui prendre des grandes tailles, hein, parce que si vous suivez les vlogs et tout ça, que vous le voyez régulièrement, il est assez dodu. Mais voilà, il adore ce genre de petits shorts et il n'en avait plus vraiment beaucoup. Il y avait un short jaune fluo aussi, mais il l'a déjà sur son cucu. Chéri s'est trouvé. Alors là, il était vraiment content. Il y a juste le pantalon qui est un peu étroit. Mais pour 10 euros, il a trouvé un costume complet, pantalon, veste, beige. Et je trouve ça très classe. En plus, ma belle-sœur, enfin la copine de mon beau-frère, l'a demandé en mariage. Mon beau-frère, hein, pas mon mari. Et s'il se marie dans les saisons chaudes et tout ça, ben, ça ira nickel. Le pantalon lui est un peu serré au cucu. Mais, ou sinon, il lui va plutôt bien. La veste lui va nickel. Il s'est acheté cette chemise que je trouve canon. Donc, vraiment, c'est du lin. Je pense que c'est du lin. 3 euros aussi. Elle est un petit peu semi-transparente comme ça. Mais bon, pour l'été, même. Un peu mi-saison, s'il met un t-shirt en dessous, il peut la laisser ouverte et je la trouve vraiment très belle. J'adore les couleurs. Bon, après, il y a un peu de gris foncé tirant un peu sur le kaki, du bleu canard, il y a un petit peu d'aubergine dedans et franchement, je la trouve très belle. Il en avait acheté une autre, mais je sais pas où elle est. Alors, ça, c'est à moi. Ce que j'ai pris pour moi, je vous montrerai après. Ça, c'est à moi. Alors, celui-là, je l'ai pris pour Enzo parce que je lui ai dit, c'est ta tête quand tu te lèves le matin. Il y a ta photo sur le t-shirt. Et là, il était à 8 euros moins 50%, donc 4 euros le t-shirt. Avec sa face quand même, du matin. Et c'est marqué Wake up, emoji. Ça lui va trop bien. Voilà la deuxième chemise. Donc, c'est exactement la même, hein, sauf que c'est dans les teintes un peu plus. Olive, vert bouteille et des bandes rouges. Elle est vraiment superbe. Franchement, ça, il les a essayées, elles lui vont super bien et ça fait trois billets. J'adore. Le deuxième t-shirt qu'on a pris pour Enzo, on lui a trouvé celui-ci à 5 euros. Voilà, je l'ai trouvé bien coloré pour Enzo adore les t-shirts noirs. Hein, donc surfing, Hawaï. Donc je trouve qu'il est totalement de saison. Alors, on a encore pris un t-shirt à 3 euros pour Georges. Voilà, c'est marqué quoi? Favela 33, 32, 33, j'allais dire. Franchement, il est beau. La couleur, j'aime bien. La couleur jaune moutarde, là, j'aime bien aussi. Les petits dessins sont sympas. Donc, il était bien content. Et on lui a trouvé un autre short. C'est chéri pour lui, je crois. Voilà, je lui ai pris celui-là. Donc, il y a des petites voitures bleues, des petites étoiles. Il y a du vert fluo, du jaune fluo. Voilà, c'est les maillots de bain, hein. Il y a la doublure à l'intérieur, mais je lui ai pris quand même et il était pareil à 8 euros moins 50%, donc ça fait 4 euros le short. C'est toujours pas ces petits canards qu'il voulait chez Primark que chérie a jamais voulu lui acheter. Et chérie s'est pris ce short-ci aussi à 3 euros aussi. Je crois qu'il se l'est pris pour lui. Je ne sais plus si c'est pour lui ou pour Georges, mais je crois qu'il l'a pris pour lui. Donc c'est un kaki avec des détails. Exotique, des feuilles exotiques par-dessus avec des poches à l'arrière et je le trouve vraiment canon.
Alors, ce que j'ai trouvé pour moi, je vais essayer de vous inclure un petit choyon. Je me suis trouvé deux débardeurs à 4 euros pièce, je crois. Ouais. Donc, j'ai pris un kaki. Voilà, j'ai pris en 40-42. Ah non, 42-44. Comme ça, je ne suis pas trop serrée dedans non plus. Donc, j'ai pris un kaki et un rouge. Voilà, si ça ne vous étonne pas, je pense. C'est totalement mes couleurs en ce moment. Alors, à 19,99€ moins 50%, je me suis trouvé cette robe-là. Voilà, je me suis dit pour l'été, une petite robe facile à enfiler, passe-partout pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Elle est bleue avec des... Je sais pas comment ce qu'on s'appelle. Elle est ceinturée, elle est croisée devant. Franchement, il y avait en bleu plus foncé aussi, mais j'ai bien aimé la couleur-là. Je l'ai pris en 38-40. C'était la seule dans cette taille-là, sinon c'était que des grandes tailles. Alors, j'ai pris cette jupe-là parce qu'elle était à 13€ moins 70%. Donc, c'est une jupe noire trapèze, un peu comme ça. Elle est très jolie. Maintenant, je pense qu'elle sera peut-être un peu longue pour moi et mes jambes de troll. J'essaye de voir la taille. En S. Elle m'a l'air large pour un S. Mais j'aime beaucoup. Ça, avec un beau top et des bottes ou des petits talons, c'est super beau. J'ai totalement craqué sur cette jupe longue que j'ai pris en taille M et qui était 19€ moins 50%. En léopard rose, elle est légèrement fendue ici sur le côté. Que d'un côté, ah non, des deux côtés. Voilà, c'est une longue. Hein. Donc j'espère que j'ai les jambes assez longues pour ça. La matière est super fluide. Donc, j'aime beaucoup. J'ai vraiment craqué sur cette robe. Il y avait la même en version un peu piton et quelques détails orangés dedans, mais la léopard, j'ai vraiment craqué. Et j'ai totalement craqué sur cette robe longue. Je cherchais une robe longue. Je vais certainement devoir faire des points quelque part ou au moins serrer les bretelles. Parce que je l'ai pris en L. C'était la seule qui restait. J'ai dit, je m'en fous, je la prends. De toute façon, normalement, le L, tant qu'il n'est pas trop détendu, j'ai pas trop l'air de porter un sac à patates, j'espère. Donc, elle est comme ceci, à bretelles, lignée sable et un peu rouille, noir et blanc. Et c'est une extra longue. Donc, j'espère. Ah, elle est fendue en plus. Ah, j'avais pas vu, j'adore les jupes fendues des deux côtés. Voilà, elle est trop belle. Donc j'ai trop hâte d'essayer ça. Elle a l'air quand même assez transparente, mais bon, voilà. Elle est trop belle. Je suis trop contente de cette robe. J'ai trop hâte de l'essayer parce que j'ai pas encore tourné les close-up. Hein. Et pour finir, chérie m'a offert un petit coussin bébé Yoda. Donc je vais essayer de l'ouvrir parce que là il est scellé sous vide. Hop, il gonfle, c'est magique. Ils étaient à 5€. Il est trop mignon. Et de l'autre côté, il fait dodo. Voilà, je suis trop contente. Voilà pour la partie solde chez Cora. J'ai mes cheveux, ils partent en couille. Hein. Donc, on va pouvoir passer chez Action. Alors, je vais commencer par le bac. Je vais donc commencer par les bacs. J'en ai pris deux. Donc j'ai pris un grand comme ça avec le couvercle qui est juste ici pour mettre les blattes. Donc pour mon élevage de blattes pour nourrir les titis, hein, au cas où vous ne sauriez pas. C'est une capacité de 19 litres. Donc c'est pas très grand, mais comme elles s'entassent les unes sur les autres sur les cartons d'œufs et tout ça, il leur en faut pas plus, je pense. Donc ça, il faut que chérie me perce des trous dedans. Et j'ai pris celui-ci pour mettre au frigo et mettre les fruits et légumes des titis. Puisque moi, je les mets dans une boîte quelconque. Mais il suffit que j'entame une pomme et une poire, par exemple. Bah, j'ai plus beaucoup de place. Donc là, ou une banane. Là, je me suis dit, j'ai tout qui rentre dedans. Donc comme ça, je suis tranquille. Et ça prendra pas trop de place une fois rangé dans le frigo. Et c'est une capacité de... C'est pas marqué. C'est 5 litres. Alors, j'ai les filles qui viennent manger dimanche prochain.
samedi prochain pour qu'on se voit, tout simplement. On se fait un barbecue et en même temps, on va faire l'anniversaire de mon mari, mon frère et mon beau-frère. Hein. Du coup, j'ai pris un lot de 20 assiettes en carton. Voilà, comme on sera 11, ça sera beaucoup plus simple pour un barbecue. On fait pain saucisse, donc s'ils veulent juste couper leurs baguettes et tout ça pour éviter de mettre des miettes partout et de poser la bouffe sur la table, c'est largement suffisant. Du coup, j'ai pris un lot de serviettes aussi marquées Beach Party dessus. Voilà, je les ai trouvées jolies avec le petit coucher de soleil hawaïen comme ça. Je trouvais ça très beau. Voilà. Alors, dans le genre, on n'en a rien à foutre. Chérie a pris deux lots de sacs poubelles de 20. Attendez, il y en a 20 dedans qui font 30-35 litres. Voilà, c'est des sacs poubelles noirs. C'est un peu pour foutre tout et n'importe quoi sans que la commune s'en aperçoive dans le sac poubelle de la commune. Il a pris deux bidons du Superfine, donc c'est le déboucheur qu'on utilise tout le temps ici. Il est super puissant. D'ailleurs, il a changé. Avant, c'était un bidon rond. Parce qu'on a eu un gros problème de chiottes qui restait bouché, bien bouché. Et en fait, il s'est aperçu en démontant tout le chiotte qu'il y avait un bloc de tartre juste à l'évacuation. Donc, c'était vraiment très emmerdant. Et on va en mettre encore plus souvent que ce qu'on met déjà. Elle est passionnante, là, ma vie. Chérie, j'ai repris les gâteaux fourrés aux pommes. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est quasi tout le temps les mêmes. Voilà. Il s'est pris les gâteaux fourrés amandes. Moi, j'ai pris mes petits biffis aux herbes. J'adore ces biffis. Et alors, il me dit, mais c'est vieux, ça. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais goûté. J'ai pris un biffi Carazza. XXL. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être avec de la boulou et du fromage dedans. Je sais pas trop. On goûtera. Manon m'avait montré sur la pub. C'était un tout petit, mais elle l'a vu. Un carnet Bambi. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez, j'en ai le plastique déjà. Donc heureusement que la dernière fois, j'ai dit il faut que j'arrête d'acheter des carnets parce que j'en ai plein. Mais regardez comme il est beau. Avec des petits Bambi dorés. Alors, je suis pas une grande fan du dessin animé Bambi, mais c'est un Bambi. Voilà, je préfère les cerfs que les Bambis, hein. Enfin, que les fans. Mais, voilà, j'ai craqué dessus. Je me suis pris un lot de deux allume-gaz comme ça, parce que je préfère ça pour quand je reste à la maison pour allumer mes clopes. C'est plus facile pour moi. Et le reste, c'est de la beauté. Alors, il n'y avait pas la poudre à la fraise. Bon, Amy m'a dit qu'elle me donnerait la sienne, mais... Voilà, quoi, je dois attendre qu'elle vienne. Alors, attendez, je vais prendre le sac sur les genoux. Alors, il y a une deuxième déboucheur. Je vais l'enlever parce que c'est lourd. J'ai repris un shampoing curl et un spray curl. Voilà, j'en ai pris deux, mais il y en a un qui a coulé plein. La boîte, on l'avait mis dans la boîte pour les blattes. Ça avait coulé plein la boîte. Donc, j'ai dit non, ben, je ne le prends pas. Il me manque les trois quarts dedans. Tout est sur le tapis de course. Donc voilà, mais je me suis quand même repris un backup de chaque. Je me suis repris deux bifaces, parce que ça, j'en ai jamais assez. Vu la tonne de démaquillant qu'il me faut. Alors, j'ai trouvé, il n'y était pas la dernière fois quand j'ai trouvé le shampoing et le masque, donc j'en ai pris deux d'un coup. Le gel douche à la fraise qui va avec le reste de la collection, hein, enfin de la gamme. Je suis très contente. Alors je vais le sentir parce que je n'ai pas senti. Ah, je m'en fous après le nez. Il sent divinement bon. Alors ça sent pas aussi autant la fraise que celui à la banane ou celui au pumpkin ne sent leur truc d'origine. Mais voilà. J'ai pas trouvé la poudre, mais j'ai pris le body scrub au sucre. À la fraise. Donc je sais pas s'il est scellé ou pas, je crois pas. Ah non, il y a un petit plastique. Attendez, je ne sais pas l'ouvrir. Ah oh, oh, ils sont bons. Oh, ils sont bons. Donc je pense qu'il va aller tout de suite sous ma douche, celui-ci. Ça tombe bien, je vais finir celui à la coco stitch que m'avait offert Manon.
J'ai pris le truc totalement pas nécessaire, puisque j'en ai 15 millions d'avance. Les baumes à lèvres, fraises et bananes. Bon, moi je vais en garder un de chaque et les deux autres, je les mettrai dans le concours parce que j'ai encore acheté un autre qui est un Bambi. Voilà. Alors, c'est pas comme si j'avais un million de baumes à lèvres, mais j'en ai quand même racheté un qui sert à rien. Enfin, 5. Bon. Mais du coup, j'en utiliserai les autres. Je vais garder juste un de chaque pour moi et je vais vous mettre les deux autres dans le concours qui arrive très vite là. Très vite, très vite, très vite, je vous promets, il faut que je commande encore la palette. Et voilà donc pour mon petit haul solde et action. On va chez Auchan tantôt. Donc, vous étonnez pas si vous avez encore une vidéo bonus dans pas longtemps. Mais on va voir pour une machine à coudre, de base. J'espère qu'il n'y a pas des trop bonnes soldes, parce qu'il faut que j'arrête. Voilà. Maintenant, j'allais filmer la partie de Tryon pour pouvoir essayer mes petits vêtements. Ranger mon petit bordel. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous montre un peu quelques nouveautés. Donc, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Bisous, bisous.